Ben écoutez, on fera une faune la prochaine fois. Hello Popo, mais qu'est-ce que t'en fais, Popo? Bah quoi? Écoute, Popo, je fais tout ce que je peux pour nettoyer le Front National, et toi tu salis derrière. Comment ça, je vais salir le Front National? Mais c'est toi qui l'as laissé se gangréner. Tu as laissé rentrer les francs-maçons et les sionistes. Mon Front National n'est plus ce qu'il était, n'est-ce pas? Mais enfin, Popo, c'est stratégique. C'est la seule solution pour se les mettre dans la poche, Popo. Mais t'as rien compris, ma fille. C'est toi qui es dans leur poche, pas l'inverse. Si jamais ils te donnent le pouvoir, tu seras obligé de te soumettre. Mais bon, alors on fait quoi, alors? On peut pas faire marche arrière. Si jamais je tiens le même discours que Soral, on est foutu, on aura plus le droit à l'antenne, Popo. Ah, on est foutu, on est foutu. Bah si on est foutu, je vais me lâcher. Tiens, écoute ça, ma fille. Je dédicace cette chanson à Patrick Bruel. Écoute ça. Arrête, Popo, arrête, Popo. Hey Patrick, ça gare, n'est-ce pas? Hey Patrick, j'en ai une bonne. Tu sais comment on fait rentrer 60 juifs dans une Twingo? Par le cendrier. Oh là là, mais Popo, il faut taper sur les islamistes, Popo. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, n'est-ce pas? Ça m'étonne pas de ce mec, de toute façon, il prouve bien ce qu'il est. Un fasciste, un nazi, un antisémite. De toute façon, il y a toute sa clique, Dieudonné et compagnie. À force de prendre des coups, nous, on sent plus rien, de toute façon. Mais ce que Jean-Marie Le Pen, il faut qu'il sache, c'est qu'il n'a pas le droit. Qu'il n'a pas le droit de faire ça à ma grand-mère, qui a souffert depuis longtemps. Et c'est pas marrant. Heureusement, pour me consoler, je joue au poker. Tu vois, alors là, quand je joue au poker comme ça, normalement, je m'appelle Patrick Bruel. Et puis là, regarde. Hop, là, je m'appelle Ben Guigui. J'arrive dans ta face. Et ben, il va falloir troubler l'ordre public. Foutre la merde, que comme ça, les fachos, ils vont se défendre. Et ils montreront leur vraie nature aux antisémites. Ça me titillait. Ça me titillait. Qu'est-ce qu'on vous fait? Elle t'est l'air, ma tronche. Vas-y, frappe. Frappe, antisémite. Frappe. Qu'est-ce qu'on vous fait? Hein, on aura des dommages, des dommages intérêts. Ce fasciste, Jean-Marie Le Pen, et toute sa clique, Dieudonné, Alain Soral, Joël Corbon, de son vrai nom Noël Gérard, relâché depuis pas longtemps de nos geôles, vont continuer à propager les thèses négationnistes, nazis, antisémites, avec l'aide de leur ami, le roi du négationnisme, Forisson. Il faut qu'ils sachent, ces gens-là, que si je fais un AVC, ils auront une mort de plus, une victime de plus sur la conscience. Alors, taisez-vous! Mais taisez-vous! Taisez-vous! C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut quand même savoir que mes parents se sont rencontrés à Paris suite aux circonstances de la guerre et que mon existence, on la doit à Hitler. C'est quand même un monde de fous. Excusez-moi. Excusez-moi. 45. Et encore, avec le traitement, ça a baissé. Mais quand j'entends Dieudonné dire... Je ne sais pas qui a commencé à voler l'autre, mais j'ai ma petite idée. Eh bien moi, j'ai ma petite idée de ce qu'est sa petite idée. Et c'est quoi pour vous, sa petite idée? Ma petite idée, vous voulez dire? Oui. Eh bien, ma petite idée, c'est de penser que Dieudonné est antisémite.
Mais c'est quoi exactement l'antisémitisme pour vous? Eh bien, l'antisémitisme, c'est... C'est ça. Mais ça fait chaud, Jean-Marie Le Pen! Et quand je lui dis, pour se défendre, il me traite de pédophile, et alors, il n'y a pas plus merveilleux et excitant que de se faire tripoter par une petite fille. Hein, viens petite, viens voir papa, viens voir papa, viens prendre le bonbon, viens. Donc, monsieur Bendit, vous avez déclaré quitter le Parlement européen, théoriquement. Vous allez faire quoi maintenant ? Eh bien, je vais m'occuper des bébés clapeurs en Allemagne, la boîte à bébés. C'est moi qui serai derrière. Je récupérerai tous les bébés et je les mettrai en vente sur le Darknet. Vous téléchargez le petit logiciel Tor, personne ne saura qui vous êtes et vous pourrez commander en toute impunité un bébé à tripoter. Parce qu'il n'y a pas plus merveilleux que de se faire tripoter par des bébés. C'est ça la démocratie. Alors, tu te marres un peu? Voilà, elle se retient depuis tout à l'heure. Et quels sont vos faits? Qui n'a pas le droit de faire ça à ma grand-mère? T'as laissé rentrer des francs-maçons et des sionistes dans mon Front National. Il est plus qu'il était, n'est-ce pas? Coupé.